Bonjour tout le monde, alors je vais vous montrer mes affaires d'équitation. Voilà, c'est parti. Parce que là j'en prends 5e et avec la 6e l'équitation c'était pas possible, donc j'avais arrêté l'équitation juste pour un an et là je vais reprendre normalement dans 2 semaines normalement. Donc déjà dans mes affaires d'équitation il y a j'ai acheté des friandises. Voilà. Ça, la pomme. Donc, après, il y a 2 étrilles. Alors, la première, elle est très très vieille, donc je l'ai plus longtemps. Et celle-là, les 9. Voilà. Enfin, je l'ai utilisée qu'une fois, mais elle est presque neuve. Elle a quand même été utilisée. Voilà. Donc après un cure-pied. Voilà. Donc tout ça, j'ai acheté ça à Decathlon. Donc j'ai acheté tout ça, le reste, j'avais déjà ça avant. Donc j'ai racheté du matériel neuf. Une éponge, j'ai jamais utilisé. Voilà. Après, il y a un petit bouchon. Voilà. Une petite brosse. Donc, et en CM2, je l'avais utilisé. Il y avait une dame qui m'a dit que mon poulain était brillant avec ça. Ok, voilà. Je vais la réutiliser si c'est comme ça. Donc, un pinceau. Attendez. Voilà. Il est un peu abîmé. Hein. Ah, c'est pas grave parce que je l'ai jamais utilisé non plus. Il est trop longtemps. Alors, une brosse douce. J'en ai deux brosses douces. Il y a celle-là et celle-là. Je mets pas que des poneys. Hein. Je mets aussi des chevaux des fois. Quelques fois, mais pas tout le temps. Alors, un bouchon et un plus grand, qui est beaucoup, beaucoup plus grand que les petits. Donc, voilà. Donc, c'est la même marque. Hein. Et, j'ai oublié cette étrille. Donc, voilà, l'étrille rouge. Donc, voilà, je pensais à la vendre. Je sais pas si je vais la vendre quoi, parce que je la trouve pas très belle. Et un peigne. Voilà. Sinon, j'ai mes bottes, une cravache qui est neuve. Un gant là. Puis voilà. Blouson, tout et tout, un t-shirt là. Voilà, c'était mes affaires d'équitation et je vous dis à bientôt pour la vidéo. À plus.